C'est un rapport riche, dense et utile, et surtout d'une grande lucidité, et qui laisse au gouvernement toute liberté de choix. Il y aura des efforts à faire, mais ces efforts ne sont pas écrasants. Simplement, il faut faire le choix. Et ils seront guidés par deux principes, la continuité et la justice. La continuité, c'est assurer le financement dans la durée, pas seulement pour les 20 ans qui viennent, mais pour les générations à venir, du financement de notre système de retraite par répartition. Et le deuxième principe, je l'ai dit, c'est la justice. Et là, je pense aux petites retraites. Je pense aux femmes. Je pense à ceux qui ont, à travers leur carrière, cotisé à plusieurs régimes de retraite. Je pense aussi aux travailleurs qui ont eu des travaux pénibles et qui sont défavorisés par rapport à la durée de leur retraite. Je refuserai toute opposition entre les jeunes et les retraités, entre les actifs et les retraités, et aussi entre les différents régimes. Ça serait une mauvaise méthode qui rendrait la concertation beaucoup plus difficile. La concertation commence maintenant, le dialogue aura lieu à la conférence sociale, et puis ensuite de nombreuses rencontres bilatérales. Je m'impliquerai avec les autres ministres pour que cette concertation aille le plus loin possible. Et ensuite, et c'est ma responsabilité, c'est celle du gouvernement. À la fin de l'été, le gouvernement présentera un projet qui sera ensuite soumis au Parlement. Merci.